Yo les gens, c'est Black Pain. J'espère que vous allez bien depuis 10 minutes à peu près. Donc on se retrouve là donc pour la partie numéro 4 de Ruse. Donc on vient à peine de finir la partie numéro 3 qui était de tenir Kasrine. Donc nous allons passer à la partie numéro 4 qui va commencer tout de suite. Donc je sais pas s'il y a une cinématique, s'il y en a une, je vais vous laisser dessus. Pourquoi est-ce que l'écran est si flou? Ok, voilà, c'est bon. Je voyais l'écran très flou. Colonel Campbell, je me demandais si je vous reverrai un jour. Je suis aussi content que vous, croyez-moi. Et voici le commandant Sheridan, 1ère division blindée. Monsieur. Excellent travail à Kasrine, Sheridan. J'aurais malgré tout voulu être là pour gérer la situation moi-même. Une chance que j'ai saisi l'opportunité de vous envoyer le colonel Campbell. Monsieur. Le principal, c'est d'avoir réussi à les arrêter. Rommel est à bout de course. L'heure est enfin venue de contre-attaquer. Êtes-vous prêt à nous aider? Je le suis, général. Une chose, général. Étant donné l'implication de Sheridan, commandant ne semble plus très approprié. Oui, bien sûr. Lieutenant-colonel Sheridan, félicitations pour votre promotion. Vous avez le talent et la trempe dont nous avons besoin dans cette guerre. Je vais officialiser ça tout de suite. Merci, mon général. J'attends la suite des opérations avec impatience. Rommel a retiré la plupart de ses troupes pour affronter Montgomery. Voilà, donc... Notre objectif, les gens, va être, comme d'habitude, d'avancer. Donc, il va falloir atteindre CD8, ce qui est juste là. Donc, on n'a que 4 chars, par contre. On n'a que ça. On n'a que nos 4 petits stewards, là. Donc, on va faire avec, de toute façon. Hein. Voilà, donc c'est parti. Donc, Kasrine, c'est cette ville, hein, cette ville qu'on a tenue... tout à l'heure. Voilà. Bon, les infanteries, c'était pas vraiment très dur. Oh là là, il y a beaucoup de navions là. Donc, nous, on en était là. À 4 contre 1, ouais, ça devrait pas être bien compliqué. Alors, voilà. Deux contre 4, ça devrait pas être bien compliqué non plus. Normalement. Déjà un en déroute. Déjà deux en déroute. Voilà. Voilà, c'était pas bien compliqué. Monsieur, on a un char moyen allemand 3 devant. Ah, un char moyen. C'est la vie, ça. Il va falloir qu'on le bête. Allez, 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 on détruit, allez, go, voilà. Bon, Kasrine est juste là. On n'a plus beaucoup de chemin à faire. Bien. Oula. On se replie, les amis, on s'enfuit, au secours! Ah, on a des lits. C'est bien ça. Bon,
On a des chars, lit. Ça va être bien, ça. Ça va nous aider. Je sais pas ce qui se passe ici, là. C'est la dèche. Les gars... Bon, nous allons contre-attaquer ces petits Panzer 4 de la mort, là. Allez, on va tous y aller, comme ça. Par contre, les Stuart, arrêtez-vous, évitez de passer devant. Allez, les gars, là. On est 8 contre 2, là. C'est quoi ce bordel? Allez, on les défonce. Voilà, battant en retraite sans perte de char. Et donc là, bah voilà, on a atteint CDH. Bientôt. Attention, ça va se débloquer. Voilà. On a atteint CDH. Donc. Voilà. En fait, on s'est fait défoncer en gros. On s'est fait défoncer, si vous voulez savoir, on s'est fait défoncer. Alors, on doit activer la ruse d'espionnage. Voilà, oui, là, voilà. Est-ce que je peux la prendre? Putain, ok, ça bug. Ok, ça a bugué, je ne peux plus ouvrir mon menu, c'est la fête. Ah là là, j'adore ce truc. C'est trop bien. Activer la rue d'espionnage. Oui, il faudrait que je puisse ouvrir mon truc pour pouvoir avoir la rue d'espionnage. Ok, on adore ça. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien normalement. Ah voilà. Ok, bon, il y avait juste un petit bug, hein, les gars. C'est pas grave. Voilà, maintenant on sait ce qu'ils ont. Ah ouais, ils ont mis des canons anti-char partout, les mecs, là, c'est la fête. Ils ont établi une ligne anti-char solide. Nos chenilles ne passeront jamais par là. Voilà. Donc les gens, on fera peut-être... Les ingénieurs seront bientôt là. Voilà. Monsieur, on nous signale des mouvements ennemis vers Sidiaïch. Vous fallait s'y attendre. Vous devez tenir la ligne, colonel. Et souvenez-vous, mieux vaut que ce soit nos chars moyens qui essuient les tirs plutôt que nos chars légers. Ouais. Donc les gens, donc je ferai peut-être cette vidéo en deux parties, celle-là, parce que, bah voilà, elle a l'air assez longue. On est déjà à 8 minutes 40 de tournage. Et bah, je pense bien qu'on n'ait pas assez de temps pour la faire en entière. Donc, bah, si la vidéo se coupe, hein, je vous le répète, ne vous inquiétez pas. Ce ne sera pas un drame. Ce sera normal, du moins. Alors, pour l'instant, normalement, c'est censé être bon. Mais si la vidéo venait à se couper, les gars, ce serait normal. Hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, sinon, tout se passe à peu près bien. Là, il y avait un Panzer 4, on s'en est occupé. Il y avait une infanterie avec aussi. Qu'est-ce qu'on a comme ruse? Là, on n'a rien. C'est la fête. Qu'est-ce que c'est, ça? Du char léger. Ok, ça devrait pas être bien compliqué. Bon, ça va. Ça se passe à peu près bien. De toute façon, on les défonce. Où sont nos ingénieurs? Ils sont là. Ils arrivent.
Voilà. Ouais, ils envoient d'autres choses par contre là-bas, là, c'est pas cool ça. Encore quelques minutes, colonel. Les ingénieurs vont arriver. Ok. Alors là, donc le but, ça va être que les ingénieurs arrivent, qu'ils nous fassent une caserne ici, là, et qu'on puisse avancer pour répéter les canons anti-chars qui sont là. Si vous voulez une petite idée de ce qu'on doit faire, bah voilà. C'est un petit peu le but de notre prochaine mission. Dès que la caserne sera là, le but sera d'aller péter les canons anti-chars qui nous bloquent. En gros, c'est ça. Juste péter lui là parce qu'il va m'énerver, voilà. Voilà, donc les ingénieurs sont là. À bientôt, du moins là. Voilà. Voilà. Est-ce que vous pourriez vous dépêcher un petit peu par contre? Ce serait pas trop mal. Bref. On a du char italien encore qui rapplique. Là, je sais pas d'où ils arrivent, mais en tout cas, ils arrivent. Voilà, donc notre caserne est faite. Voilà. On a tenu la passe de CDH comme prévu. Les ingénieurs sont là. Ils construisent une caserne dans la zone avancée. Parfait. Nous allons prendre le QPI. Voilà. Voilà, donc on a pas pas mal d'infanterie, donc notre but va être d'attaquer donc là-bas. Ces unités nous permettront de neutraliser leurs canons anti-char. Alors les gens, je vais faire une petite pause jusqu'à ce qu'on soit là-bas, parce que le temps d'avancer les unités, ça met un peu de temps. Donc on se retrouve juste après. Re les gens, donc voilà, c'est bon, on y est. On a avancé jusque là, donc maintenant le but va être de péter les canons anti-char, donc comme prévu quoi. Donc ça va aller vite, hein, et là voilà, on va tous les péter d'un coup. Voilà. Et voilà. Ah, il en reste un. Tous les canons anti-char ont été détruits. Non, pas tous. Il en reste un. Il en reste un qui s'enfuit. On va peut-être réussir à le péter. Voilà. Bon, bah voilà les gens, on s'est assez bien débrouillé, hein, moi je dis. C'était pas mal. On a tout pété. On a pris le QG, tiens, en même temps. Voilà, donc les gens, c'est tout pour cette vidéo. Donc de toute façon, mon espace maximal de stockage est fini. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, tout naturellement. Donc je vous sortirai, je ne sais pas quand encore, la partie numéro 5. Voilà. Donc c'est tout les gens, ciao.